Hier, il y a une cérémonie qui déroulée dans la villa d'accueil là. En guise de rappel, villa d'accueil là, située à Musso, et c'est lui-même, monsieur, dame, conseil présidentiel, il prend. Siège social, si nous avons répété le comme ça, si nous avons dit le comme ça. Il y a toute une polémique autour de nature cérémonie ça et déroulée hier, lundi, à la villa d'accueil là. Pour la présidence haïtienne, pour les proches du conseil présidentiel de transition, il s'agissait d'une cérémonie de remise d'application, si nous pouvons répéter le comme ça. Il était question pour te remettre la reconnaissance à l'application arrêtée qui nommait comme nouveau Premier ministre pays. Pour le monde, ça fait hier, il y a l'autre nom. Il est installation. Pour eux autres, c'était une cérémonie d'installation. Et mon saillot, pour étayer ça, dit, Dieu seul, il expliquait depuis une autorité recevoir un document officiel qui fait de lui autorité liée dans le cadre d'une cérémonie. On pas qu'à parler de l'autre bagaille que l'installation. Est-ce que catégorie Mounzaïo a raison? Moi, pas qu'on est. Il y a quelques autres mondes tout guerriers qui s'est vanté, qui dit sacrifier hier, ou bien cérémonie que tu as gagné hier là, dans la villa d'accueil là, pas gagné rien pour eux avec installation. Ça ou quoi que cérémonie ça a gagné tout le monde sous la terre bénie, sauf installation. Qui laisse dans la catégorie Mounzaïo qui gagne raison? Yes, il y a tort. Moi personnellement, en ma qualité de journaliste, je ne sais pas forcément qu'on est. L'autre interrogation, on dit que tu as considéré ça dit yo, comme des opinions. Mais nous-mêmes, comme journalistes, nous avons droit de poser des questions. Ça yo. Il vraie nature, cérémonie hier là. Il valeur li gagne au regard de loi, décret, à clotte. Texte qui régit fonctionnement administration publique là. Je signale, M. Peggy Jean, journaliste de formation et avocat au barreau de Port-au-Prince, qui t'a fait office de maître de cérémonie dans le cadre de cérémonie saguerrière. À un moment, dans l'activité, il déclarait qu'à partir de la cérémonie d'hier, ou bien qu'à partir de la remise, si vous voulez, de l'ampliation arrêtée, M. Gary Conille, c'est officiellement Premier ministre pays. Ça t'a voulu dire qui ça? Ça t'a voulu dire? Un pouvoir
M. Gary Gouni gagné comme premier ministre, c'est Yelgen. Maintenant, et le, il était nommé. Et le arrêté ensemble avec la résolution qui a un rapport avec d'abord choix conseil a été fait de l'IA par consensus là et ensuite de normal là qui pouvoir le gagner qui limite le gagner à qui titre monsieur Gary Gouni débarqué dans pays là et puis les mobiliser la police nationale d'Haïti via son directeur général pour accompagner dans le cadre d'une visite guidée au centre-ville de Port-au-Prince. Est-ce que, avec simplement arrêter une homme là, il n'est pas limité comme PM? Ou bien est-ce qu'il n'est pas limité tout comme PM nommé tout carrément? Si exercice hier là, ça que fait hier, Villa d'accueil là, l'ITACEP ou bien l'ICEP, li aussi simple. J'ai des gens qui veulent faire quoi là? Est-ce que tu es obligé de faire une cérémonie pour les gens? Les gars, juste. Et dans le bureau, président CPA et puis. Mise la fête. Et si vous mobilisation, il y a des invitations qui font, vous invitez la presse, vous logistique qui met en place. Yeah, yeah. Ça veut dire que la cérémonie a quand même un caractère. Quel est ce caractère? Moi, je ne sais pas. Et moi, après une guerre, il y a un discours qui doit être prononcé dans cette cérémonie. Alors, pour qui ça me dit que tu dois? Parce que ça vient jouer comme élément de formation. Discours que le président CPA te doit faire, c'est pas le faire, c'était quand même une intervention improvisée qui vient faire tout par la suite. Dans l'intervention de Gary Gouni, là, et d'entrée de jeu expliquer c'est qu'elle a parlé. Donc c'est pour bagaille. Après, lui. C'est une intervention, c'est une intervention de près de 3 minutes, on va comme ça. Mise en place pour cérémonie, ça a fait. Est-ce que c'est obligé de faire une cérémonie pour remise à RTA ou bien application à RTA? Est-ce que tu es obligé de faire l'autre cérémonie pour installation hein? Probablement qu'il y a une troisième cérémonie pour investir. Si tu as une différence, effectivement, entre toi ça. Et pour qui ça tu pas une seule cérémonie là dans le tout bail. La même cérémonie d'installation ou bien de prise de fonction officielle là, je te à tout, vous comprenez? Enlever de rideau, faire remise application, arrêter. C'est une question à poser. Et là, nous t'arrêtons maintenant des avis quelque gros chabrak, gros palto, qui est bon lecteur, à qui critique dans le domaine zana palia là. Probablement c'est droit administratif, à forcément maîtriser bah yo. Si là yo qui maîtrise fonctionnement administration publique là. Honnêtement, moi-même personnellement, nous t'arrêtons maintenant des yon moun tant kou mettre Josué et Pierre lui. Sur question ça, sur qu'a toujours un problème avec personnage là pour choix, pour sensibilité politique, etc. Mais comme technicien, comme intellectuel, a un doute, même jeune, a un doute sur compétence et capacité en paquet de l'autre personnalité d'un pays. Que ne t'est-ce l'intronisation, guerrier? Que ne t'est-ce l'installation? Que ne t'est-ce l'ampliation? Quelle que soit sion. Nous avons décidé de mettre des cérémonies en guerrier. Moi, je voulais noter deux bagailles. Pour les gens qui attendent là, pour les gens qui gardent là. Oui, bah là. C'est que proche gars, les guerriers, depuis avant l'activité à faire, ils connaissent où ils aller dans l'installation. Gary Gouni. Moi, je parle avec des gens. Qui bien placé dans l'équipe Gary Gouni là qui annonce même avant nouvelle la déprend là qui va aller dans l'installation. Si bien que il y a un
invitation qui était sorti sous compte primature là qui parlait de installation. Bien entendu, avant l'invitation de la présidence ou bien du conseil présidentiel de transition. Deuxième bagarre là, moi je voulais noter, amis auditeurs, amis internautes, jusqu'à dimanche soir, moi parlé avec le conseiller président. Et dans l'échange, nous avons eu l'idim et m'absité, il y a une très forte probabilité pour Gary installer mardi. Donc il a parlé de jeudi. Maintenant, guerrier Dieu seul. Il est important pour me souligner à aucun moment dans la conversation, non? Moi-même avec le conseiller président, ça, il n'a pas évoqué question de faire une cérémonie d'ampliation qui est faite avant, après, après l'installation, après, après l'investiture. À aucun moment! Il n'a pas bon détail ça. Il dit il y a une réunion là, dans la journée du lundi. Il y a pas tant de sur le cabinet ministériel et puis mardi installation. Ça, conseiller Adim. Là, à partir de ça que fait hier là, il y a posé question pour me dire à partir de qui ça? À partir de qui le tout? Décision pour faire une cérémonie, pour remettre l'ampliation, arrêter que nos méga reconnus là, prend. Il y a ça. Et question m'a posé hier. Je ne sais pas si question mieux de trop. Pour égarer mieux. Ma vie connaît. Et l'autre pas connaît. Et tant d'autres de monde qui connaît ces questions posées. Je fais généralement. Seul le conseiller président et le premier ministre nommé Gary Koni qui est capable de répondre à la dernière question. Qu'on y a là, madame, monsieur. Moi, connais. Auditeur mieux intelligent, internaute mieux intelligent. Et si ça fait hier là, t'as inscrit dans le cadre tractation, matraquage, dilatoire politique, qu'a fait autour de la formation du nouveau gouvernement ou bien du nouveau cabinet ministériel. Point de dérogation. Et si messieurs, dames, conseil présidentiel transition, yo, te prend un soupçon guerrier. Que l'équipe Konin là, te souhaite Konin installer au plus vite ou bien prend fonction au plus vite. Parce que pour yo, depuis PM n'a pas d'eau, fin installé, li fin prend fonction, donc li vin un premier ministre à part entière avec tout pouvoir. Le poste à fonction en Bali. Donc à ce moment-là, il y a un droit difficile, pour ne pas dire impossible, pour CPA ou bien n'importe quel groupe qui a fait le chanter. Question à poser. Parce que l'information qui arrive à joindre nos guerriers par compte-goutte, laissez-nous croire. Par contre, si vous me dites tacite des batailles là, ou bien si vous me quittez le comme ça. Mais laissez-nous croire une bataille ou le contrôle réel du pouvoir dans la transition ça ou bien dans la période intérimaire ça. J'aime bien dit réel. L'adjectif réel n'est pas choisi ici au hasard. Nous avons un pouvoir de transition à deux têtes. Je ne vais sans dire. Bicéphale. La présidence qui est assurée par le conseil présidentiel de transition et de l'autre côté le chef du gouvernement. Primature, premier ministre, etc. Je dis à contrairement à pouvoir que ce passé à l'axe et pouvoir Ariel là, check and balance là, il crée. Donc à chaque fois conseil présidentiel là, tu as voulu peser sur l'accélérateur. Il est obligé de songer, guerrier, que de l'autre côté de la barrière, ou bien en face là, il y a la primature, il y a le premier ministre, il y a
le chef du gouvernement, il est valable tout pour le premier ministre là. À chaque fois, peut-être feeling d'après ou bien le fin ouais, le fin aoyo, il fin penser que c'est lui-même qui pique gros chef ou bien c'est le chef des chefs, il est obligé de freiner, bien ralentir, parce que de l'autre côté, il y a les conseillers présidents, il y a la structure présidentielle qui est le CPTA, guerrier du seul. Mais, semblerait-il qu'il y ait une préoccupation des deux côtés. Du côté conseil présidentiel de transition, et également, bon côté, primature ou bien équipe Gary Kouni dans tout court. Si nous avons dit le conseil de préférence, comme l'autre étape qui devrait franchir pour Gary venant locataire effectif de la primature. Il s'est préoccupé sur lui. Mais c'est dans le CPO guerrier du seul, que le secteur, le parti pour net, que le conseiller président, il craint pour ne pas lever tout pouvoir de Gary Kouni. Pour eux-mêmes, ils ne viennent pas être insignifiants. Ils ne viennent pas peser trop lourd sur le balance. Ils craignent ça. Ils craignent pour ne pas passer dans le Boniface en 2004, où c'est on Gary Kouni, ou bien pour Gary Kouni, une non version revue, corrigée et augmentée de Gérald Latortu. Ils craignent ça. Et pour eux-mêmes, ils ont un côté qui a commencé à mettre des balises, c'est dans chaque gouvernement qui a monté, c'est dans chaque cabinet ministériel qui a formé. Équipe Gary Kouni, là également, va Gary, là, il est du seul. Ils même tout, ils n'ont pas entendu. Laissez boulevard bas le conseil présidentiel là, comme si tout ça secteur y ouvre, ou bien tout ça, monsieur dame conseil y ouvre, y largué. Bayo, et puis pour garer lui-même, seul côté le contrôler, c'est la RO, la résidence officielle. Mais le pouvoir réel est entre les mains des conseillers présidents, ou bien des secteurs formant le conseil présidentiel de transition. Il y a une situation, même le publiquement, il dit qu'on sait que yo prêt pour collaborer pour la réussite de la transition, mais yo n'a veillé l'autre parce que yo tout dit que c'est politique qui a fait, politique pas fait cadeau. Par contre, vous comprenez, la semaine qui s'est passée, nous avons dit exercice pour mettre campé un nouveau gouvernement en un pays, il n'est pas cadeau et difficile. Raison 7. Premièrement, avant même Gary Kouni de passer dans le conseil là, avant même conseiller yo, ou bien 6 conseillers yo, de décider par contre de ceci a choisi Gary Kouni pour venir diriger la transition comme chef de gouvernement, Gary Kouni te geta parlé à tout le monde. Gary Kouni te geta connaît ça tout le monde voulait, ça tout le monde souhaitait. Gary Kouni te getan échangé avec tout secteur. Donc il connaît qui ça la valas vle. Il connaît qui ça petite de saline vle. Il connaît qui ça aide red compromis vle. Etc. Pour m'a dit Montana il a trié. Deuxièmement, les Gary Kouni qui n'ont passé cap conseil là, ils rencontrent avec il parle avec secteur et dans le week-end ça se passe à la pendant monsieur rentré dans le pays il déplacé la laca en série de conseillers présidents les chita parle avec eux discute avec eux ils ont renouvelé engagement au prend entre eux et Gary Kouni ba au garantie que tout ça a besoin d'ab joindre lui. Comme même s'il nommé ou t'a dit, il faut qu'on ait pouvoir. Alors, est-ce que l'Elvin, Premier ministre, Jean-Louis Premier ministre, dans l'Est, Alvin, il toute l'attitude, est-ce que l'a toujours qu'il y a même engagement à eux? Papa, pourquoi elle sous parole? Il dit, après, sous parole, il dit ça. Mais l'Emte dit, exercice-là, pas doué. Un exercice qui n'est pas difficile pour raison ça yon bala. Parce que Gary parle à Negyo ni avant ni après. Li kon sa ouvle. Il ba ou garanti que sa ouvle ya.
à passer guerrier. Me dit exercice là, pas d'être difficile. Mais guerrier semble me détromper. Semble me détromper de bonne foi guerrier. Parce que next CPO, gon ti bagay qui pousse yo à la réflexion. Qui vient faire yo obligé prudent ne serait-ce que de loin, soit avec équipe Gary Godin là ou bien avec Gary Godin. Parce que Gary dit yo gen bagay. Yo senti bala trop facile. Parce que yo dit Gary dit yo comme ça. Li ba yo l'attitude pour yo former gouvernement entre yo pour yo proposer pour yo voyer ministre yo Bali pour dire mais qui est-ce yo choisi. Parce que il y a des conseillers présidents qui attendent que Gary pral vienne parler avec le président de non monsieur. Et gouvernement voulait mettre sous pied là, on t'a aimé gagner tant ministère et dans tant ministère là, on t'a aimé gagner tant et m'a ban nous tant. Et des conseillers présidents qui étaient espérés le comme ça qui étaient souhaités le comme ça. Mais là où Gary pral il dit nous mettre frapper pas juste nous, il dit est-ce que c'est pour un piège? Est-ce que pas un coup qu'a préparé? Parce que un Gary Koni n'est pas dupe. Et même si vous présentez monsieur comme technocrate, attention, il ne doit pas faire politique active du genre que l'a dirigé un parti politique ou bien son acteur politique qui est présent sous scène. Mais l'a dit que Gary est un novice dans cette sphère-là. On est réel là. Et Gary Koni, il y a des gens qui sont derrière, il y a des gens qui côtoient. Et vieux routier et tout. Il y a des gens qui ont une équipe ou bien qui sont sous côté, qui ont conseillé, qui ont parlé avec elle. Probablement, ils ont droit à dire. Nous-mêmes, nous ne sommes pas forcément au courant de ça, ils ont décidé. Mais nous avons juste analysé le comportement de chaque acteur, chaque groupe séparément. Donc, les gars ont dit, ils ont mettre frappé. Guerrier Dieu seul, ils ont dit, qu'est-ce que c'est pour un coup? Ou bien, comme. Gary qui travaille dans les Nations Unies, probablement qui maîtrise les relations internationales, diplomatie bien. Est-ce que Gary va gagner un gros bagage dans la tête? Mais la tonne une a proposé, et à partir de ça, il a proposé là lui-même, pour lui joindre une meilleure façon pour l'imposer par là. Ça, c'est une possibilité. Pas la possibilité, non? C'est une possibilité. Je ne sais pas si Gary est Dieu seul. Gary est l'équipe tout. Et c'est là nèg yo pensé que le capable bon coup, il capable bon piège. Gary pas sorti côté le sorti à je sais pas Babadou bien Washington toutouni. Probablement il y a des monde qui t'a travaillé pour lui sur le terrain. Monde ça yo espéré tout un bagarre Gary vinn premier ministre. Gen monde qui dans do Gary qui dans entourage Gary yo espéré de bagarre tout. Même j'ai bien monde l'autre bois Gary débarqué ici ou même ces spectateurs vinn hier. Gen bagarre yo souhaité jouer dedans. Ah, vous comprenez? Yo gen plan, yo gen agenda ou tout. Et ça fait nèg yo di comment Gary fait di yo avancer là. Et côté nèg yo d'après l'autre sujet très 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 prudent toujours. C'est là où dit dans rencontre avec monsieur CPO et qui primature là ou bien Gary Koni te souhaité que installation fait mardi. Et raison que t'a bail c'est que vous avez une raison qui fait quoi que le Premier ministre a besoin de plus latitude pour être capable de former le gouvernement. Mais vous avez pas de problème. C'est l'attitude au besoin. C'est l'espace au besoin. Eh bien, il y a une cérémonie, il y a bon premier-toi, arrêtez nos mots là. Et puis laisse ça, au moins la bon minimum. C'est ça, vous dites. La bon minimum, nous avons là, on a bien toute légitimité pour chita pour nous faire le gouvernement ensemble. Et puis, nous avons quitté l'autre volet. Et ça faut qu'il y ait toute nuance ça, il y a tout débat sémantique, etc. Pour qu'on ait est-ce que c'est installation, est-ce que c'est. Parce que, gros côté, bah, la sorti, qui fait ça, vient sur la table. Même si nous ne parlons pas aujourd'hui, même certains, même si ce n'est pas demain matin, ce n'est pas après demain, nous avons quand même guerrier. Je sais. Nous avons tout à l'heure. Gary y a équipe, gen nèg ki nan équipe Gary, gen nèg ki sou côté Gary, gen nèg ki espéré bagay. Nan men Gary gen nèg ki te gen autoproclamé, yo di yo c'est ceci, yo c'est cela, nan pouvoir Gary et cetera. Mais gen nèg tout guerrier qui ant Gary Koni et conseil présidentiel là qui fait choix yo déjà. Par exemple, des nèg ou pas de jambe wè nan processus ou mettez campé conseil présidentiel transition et yo senti yo di nèg
pour c'est pas les CPA avec des vrais pouvoirs pour pouvoir marcher des CPA et bien ça eux même il a faufilé comme bagarre. Guerrier. Pas pour aller dit dans hôtel là parce que on pas pour aller mettre et sécurité PM dans jeu tout. Mais m'apprenne que premier ministre nommé à dans hôtel dans Pétionville. Moun tap défilé dans hôtel ça ou al pa la gari koni pour al chita gari koni c'est moun nou pa ta penser madame monsieur. Les anciens députés ou pas attendu longtemps. Parmi Pascal Washington, Jean-Pascal Washington, ils font une vidéo pendant qu'ils étaient dans la ville d'accueil. Et puis ils disent, mes amis, il n'y a pas de zombies qui sont ressuscités, non? Pour parler de gens qui n'ont pas attendu longtemps sur le chiquier politique qui vient. C'est une prestation. Une prestation, Mab CPO. Eh bien, c'est même gens tout. Si on est passé dans l'hôtel, ça coûte PM, il y a un bon service personnel guerrier. Ou il n'y a pas de zombies politiques ressuscités, non? Mon n'a pas pensé à défiler pour le côté PM Garekoni. Et PM Garekoni, puisque il a dit faut que mon rassembleur guerrier de seul, on va me connaître, recevoir, le chita tout le monde. Mais tout le monde a autour, il y a des carrières par en bas braille, il y a des demandes par en bas braille, il y a des doléances par en bas braille, tout guerrier. Des anciens parlementaires, sénateurs, députés, des anciens ministres, des dirigeants politiques, ou pas de tendre, mais qui t'a fait gros déblosage tout par le passé, papa. Qui vient dépasser très douteux. Il y en a qui font filer quand ils regardent tout seul. Il faut filer quand ils ont caché les têtes. Ah, vous comprenez. Donc, depuis l'autre bagaille, tout qui vient faire nek CPT est obligé d'être prudent dans le processus de formation du gouvernement guerrier tout seul. Il y a l'autre parole qui a parlé. Une parole qui a parlé qui dit Gary Koni a une intention pour réduire le nombre de ministères qui ont pendant le premier ministre. On va ça pas faire mon secteur ou bien dans conseil présidentiel là. Bon déjà ministère bien là, yo tellement derrière yo, pas suffit. Il pas suffit pour séparer entre yo. Où est Sigal Goni t'a dit l'a réduit yo? Par exemple, Andy Gal Goni t'a dit ou bien t'a dit l'a réduit le nombre de ministères yo à 11. Y'a rien. Donc c'est certain, li gen droit d'yo, y a des ministères pour fusionner, bah oui. T'a dit le mettre il mettait le ministère sport avec le ministère éducation nationale ensemble. C'est comme ça, comme ça. Il doit dire le ministère affaires sociales avec le ministère conditions femmes ensemble. Pas comme ça. Mais en réalité, ça me donne un petit doute sur lui. Parce que c'est vrai, il doit avoir un ministre, mais il y a un employé, il y a un budget de fonctionnement, il y a toute la machine. Je ne sais pas si ça a retiré trop grand chose. Bref. Donc, si Gary Koni est venu dans une position comme ça, guerrier, on va y avoir et jeter des pieds en l'air. Oui. Parce que le secteur a tellement besoin de ministère. Le secteur a tellement de monde besoin de job. Le secteur a tellement de redevances. Le secteur a tellement de choses qui veulent faire guerrier. Dans cette transition, guerrier. Donc, si Gary Koni est venu dans l'idée pour réduire le ministère, il a dit que Gary Koni est très doué, mon cher. Ou pas dire que je vais voter. On est en bas, oui. Ou qu'on est en bas, oui, mon cher. Bon, ti sa gen la, y a ti sa gen la. Sa gen la trois petits pou yo. Voir maintenant qu'on y a là, sous ta vini, on va réduire la dalle. Gary, te gen do pa bon pou séparer. Mais qu'on parle comme ça qu'on parle. Et là, moi, même personnellement, m'bral fait premier jugement. Et à partir de formation. Cabinet ministériel là, mon bras a commencé à juger pour le ministre Gary Koni. Par exemple, dans l'intervention, ou bien première intervention de M. Koni fait, qui s'est dit guerrier, il dit, dans le gouvernement par là, la priorité sera accordée aux jeunes et aux femmes. Et Gary te dit. Or, pas certain que M. Dame secteur qui forme le conseil présidentiel, je connais pas ça. Parce que y a des gens, depuis un mois, deux mois, qui sont dans la tête comme ministre. Bien que, la réalité a prouvé, à partir de l'évolution qui est dans l'intervalle là, il y a des ministres qui sont dans la ministre encore. Voilà le bon exemple, guerrier. 15-22 jours de cela, il y a des gens qui connaissent les ministres de santé dans le pays.
qui te ta bail fait costume, qui te ta parler zamil, qui te ta dire zamil de non soit sous l'autre bon entrée parce que moi le chef. Mais je dis à la même c'est au bail na chef là. Ben non pas même cité côté moi ministre de santé alors de qu'après de l'autre ministère pour ne pas penser que mon le bail m'a pas chier. Pas contre son coïncidence. Par contre, c'est une coïncidence. Vous comprenez? Mais ça me dit qu'il y a un droit valable pour l'autre ministère. Il y a Jésus seul. Donc, moi, je m'attends à Gaïgoni. Gaïgoni dit dans le gouvernement, pas là. Un, quand tu as 30% de femmes respectées. Deux, tout, c'est jeune. On a, est-ce que le secteur qui forme le conseil présidentiel là, même, où est-ce que comme ça? Point d'interrogation. Est-ce que vous tendez la oreille ça? Point d'interrogation. Eh bien, c'est le cabinet ministériel là Napton pour nous voir ça. Par contre, vous comprenez? Il y a du seul. Et c'est là moi-même, est-ce que je vais apprendre M. Kony au sérieux? Est-ce que je vais commencer à remettre en question chaque parole de Diane de Béia? Ah, nous ne sommes pas de Kony, non? Nous ne sommes pas de Kony, nous ne sommes pas de Kony. Mais Napton, il y a un carrefour, ça, nous allons commencer à juger M. Kony. C'est à partir de ce gouvernement monté, c'est son gouvernement qui cabale le résultat. Ou pas. Ou bien est-ce que ce gouvernement qui peut continuer, même si on a fait depuis 10, 15, 20 ans dans le pays, faire de nouveaux riches, gagoter by moon, raser, papané, etc. Et Dieu seul, la trinité ce matin. Une pratique qui existe dans le pays là, depuis quelque temps. Mais dans le moment là, guerrier, il est tellement fait, c'est comme si c'est la première fois la fête dans le pays. Il y a des nègres, je dis, qui presque a dépensé, même ça, ou pas possédé, parce que il y a des gens qui font une promesse qui occasionne un job dans le gouvernement mondial. Vous comprenez bien, madame, monsieur. Guerrier Dieu seul, il doit bien avec un monde dans l'équipe Koning là. Ou bien guerrier Dieu seul, il doit te rencontrer un conseiller président dans l'activité. Ou bien, il n'y a pas de conseiller à mettre un téléphone. Si le conseiller n'a pas occupé, si guerrier il est répondre. Guerrier vient dire Dieu donné qui souhaitait joindre un job dans le gouvernement ça. Que mes relations avec un tel, soit pour le ministre ou déposé président, mon cher Carrefour, directeur général et Carrefour ministre, non badge. Dieu donne même qui, ouais, pour voilà, puis il y a un numéro conseiller, ou bien PM Koni, ou bien l'équipe Koni, ou bien guerrier fait photo avec eux. Dieu donne, madame, monsieur, levé toute salle possédée pour le bail guerrier. Parce que guerrier pour faire le chef d'un nouveau pouvoir. Qui réalise ça à terre, oui. Et pourtant, dans l'espace que tu pouvoir discuter, là, même première lettre non Dieu donné pas cité, voir que tu as cité non Dieu donné. Donc, pile nèg gap prend pour ça là. Yo dit l'estomac m'a glissé, j'assume. Donc, pile nèg gap prend pour ça là. Ka bay l'argent. Dans moment on a parlé là. Ka bay l'argent. Yoyé. Et des nèg gap bay comme pour yo gagne un job ou bien cap faire des largesses avant ces 2 ans mais pour yo gagne un job. Même VIP a pas au courant, c'est-à-dire le conseiller président qui on met dans le devant. Il va au courant. Gary Koni n'est pas au courant. Par contre, vous comprenez, guerrier du seul. Ils ne sont pas au courant. Mais bon, l'autre réalité, bon, ça pide du toujours. Ça pide du toujours. Il y a des nègres qui ont des postes là, actuellement. Là. Notamment des postes de direction générale. Nègres, ça y est, voulez arrêter. Bon, si vous avez tellement de résultats, vous voulez arrêter. Yo pas gagné soit oreille Koni personnellement bon bien que dans décret yo dit c'est affaire CPA direction générale yo pas gagné oreille en conseiller président directement mais yo ka peut-être bien avec Grégory Lubin qui connait parler avec yon dans conseiller président yo ou bien gagne numéro yon dans conseiller président yo et puis Grégory Lubin dit attendez non on ka faut être directeur général lui pas un peu non même. Parle le jour, aïe gars les amis, oui. Ou bien le jour, et Vertilé a fait pas moi.
ou bien le jour Smith qu'on a mangé la calaï, ou bien le jour comme ça. Et hier, il était avec Fridjan. Maman de bonnex ça ta gon photo avec le conseiller. Et puis directeur général ça même. Débaliser directeur général Bali. La fête, je comme si menti m'a fait, bon bon babi quoi parler. Menti m'a fait. Sous le même cité nom gars cité non, pas cité. OK, pas cité. Qui va ça qu'a fait? Par contre, vous comprenez. Mais pour qui ça a tout le job là d'après vous-même? Vous pensez que c'est coûte mieux ou le bail? C'est des nègres qui voulaient venir refaire santé économique, des nègres qui rageaient, ou bien des nègres qui t'ont mené une série de vie très large, et puis qui ont perdu le pouvoir. Et puis qui ont une nostalgie du pouvoir, madame, monsieur. Je vais vous blâmer. Comment vous comprenez pour un secteur décider lui-même les jours? Dans la formation, nouveau gouvernement, il faut que vous ayez trois ministères. Trois ministères. Mais bon, pays, vous avez même pour compte. Ou bien que vous avez des gens qui sont dans le secteur qui disent vous demandez trois, mais vous ne connaissez pas trois, mais au moins deux à vous. Il y a des gens qui demandent deux, qui disent vous ne connaissez pas deux, mais vous n'y a pas. Vous avez un risque, matin. Bon secteur qui est impliqué dans le conseil présidentiel, vous avez des ministères de santé. Il y a des ministères de l'agriculture, il y a des ministères des travaux publics. Mm-hmm. C'est intérieur? Bébé, di... non. Ah. Et puis, il y a un mal, c'est pas vrai. Un secteur. Par contre, ça qui passe, au niveau de ce secteur, il y a une division. Un groupe qui dit ah, si le secteur a un seul ministère, de bon équipe groupe qui est dans le secteur qui ont même été contribué à voir les représentants, ils n'ont pas besoin de rien. Pourquoi je dis par exemple, voilà, je vais faire un simpliste. Bien que le patron ne soit pas en transition, parce que qui est le premier en transition? C'est créer des conditions pour l'élection faite, pour un retour à l'ordre démocratique, oui, pour un pouvoir normal, qui pour commencer par ces pays, oui, sous 5, 10, 15 prochaines années jusqu'à 20, 25, oui, c'est ça le doyen, oui. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Il y a des gens qui passent, c'est dans la transition, il y a des cailles. C'est dans la transition, il y a des petits de l'autre bord. C'est dans la transition, il y a des équipes qui font la vie, ou en fait. Malheureusement. Donc, on dit par exemple, les gars, tu penses que il y a des gens dans la scène, il y a des gens qui connaissent, qui ont des compétences qui ont un vrai coup de main. On dit ça. Tu as un problème, yo. Par exemple, je ne vois pas que Mac Jouel comme un gros technicien. Et puis, il y a une radio qui a monté là. Mon ta monter radio à ces mon pam dit mon chame contre Mac Joel très bon à tel niveau je dis oh Mac Joel parce que me voulait pas là bon il y a du seul c'est pas le cas nèg qui voit Mac Joel pas voit Mac Joel parce que le connaît Mac Joel qui a fait 200 réussite non et parce que le connaît nèg qui a fait radio avec comme Mac Joel qui a fait comme Mac Joel qui a partagé avec c'est de ça n'a parlé il y a du seul et il fait expérience la soirée là. Il y a un ministère de travaux publics, il y a un secteur, carrément. Même si il y a un audit qui fait, je dis à Bédana Palé là, pour ainsi, monsieur, ça qui est tête ministère de travaux publics, il ne va pas prendre le code. Même si il y a un audit qui fait là, pour ainsi, il y a un monde qui ne va pas prendre le code. Audit sérieux. Il y a un grand monde devant, il y a un déchirpillé ministère. Ensemble avec un paquet d'autres organismes ou bien directions qui dépendent de lui. Mais ça ne va pas aller. Il va là pour un paquet de structure. Et c'est pas soir, il a commencé. Donc, je vous ai dit audit sérieux, tu as fait le sérieux de l'institution. Il y a des gens là, même nous, nous n'avons pas osé citer en public, voir où nous avons parlé en public. Mais malheureusement, je vous dis, c'est des gens qui pensent que c'est des ayants droit du pouvoir, de quel que soit vous avez il faut qu'ils là. Et si vous pas là en personne, il faut qu'ils là par personne interposée. Voilà de quoi on parle. Yeah. Et de ça, on a parlé, oui. Je suis un MDVDC, je suis un n'importe quelle institution de pays. Je suis un directeur général. On dit par exemple, vous êtes animé par le sens pour te servir la République. Mais si après 5 ans, vous estimez que vous êtes la République au coup de main, et puis il y a un moment, il y a changé d'équipe. Pas le bas où tu as défendu. Si vous n'avez pas de résultat, vous n'avez pas de résultat. Mais pourquoi ça vous voulez arrêter parce que vous n'avez pas de résultat? Parce que vous n'avez pas de choix fait là.
Nous ne pouvons pas faire. Non, pouvoir belle. Parce que les pouvoirs belles, ils ne peuvent pas quitter le ménage pour faire de yoa. Les pouvoirs belles, je ne peux pas faire de ménage. Vous comprenez? Tout petit malheur qui est guerrier, pas premier guerrier, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas besoin. Les pouvoirs belles, ils ne peuvent pas faire de chambre dans l'hôtel Vétionville. Les pouvoirs belles, ils ne peuvent pas faire fête chaque week-end. Les pouvoirs belles, ils ne peuvent pas rentrer dans la maison et acheter une machine avec des lettres de garantie. Si pouvoir pas là encore. C'est de ça qu'on a parlé, madame, monsieur, malheureusement. C'est de ça qu'on a parlé. Et si nous remarquons bien, de tout ça nous avons parlé à là, à aucun moment, nous avons cité Haïti là-dedans. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire Haïti pas sous table, Haïti poco sous table, et il se pourrait bien que Haïti pas jamais sous table. Donc, moi, crème, je dis, hein, pour Gary Conin, parler entre nos rhétoriques, perd du temps, même j'ai avec l'autre monde qui l'a obéité en valio, faire temps passer, dépenser énergie dans des bagages de clan, intérêt personnel, intérêt ticoulout, et puis, vrai problème pays, ya. Problème réel pays, ya, à confronter avec lui, à faire face avec lui, il va me garder. Moi, je crains ça, madame, monsieur. Je crains pour ne pas chiter là, dans discuter pouvoir, dans bataille pour le contrôle réel du pouvoir. Et puis la situation du pays a empiré. Je crains ça. Nouveau Premier ministre a dit, il est prêt pour le mettre en branle la machine de l'État. Il demande pour tout le monde mettre au travail avec lui. Qu'il était dans la primature, qu'il était dans le conseil présidentiel transition. Docteur Kony dit le conscient. Que les défis de l'heure sont majeurs. Mais il salue tout état d'esprit, la cité qui excessivement encourageant jusqu'à présent caractérisé pour voir ça. Docteur Kony, quand il a dit vérité ou pas. Mais celle ça n'a dit, monsieur Kony, peuple a pris note. Peuple a préparé pour le prendre en parole, t'as fait encore. Ariel, ben nous trois paroles, t'as fait déjà. Donc je dis à. Pas aucun intérêt pour gagner un bras de fer entre le conseil présidentiel de transition et la primature. Il y a un intérêt pour entendre pour gérer la transition, pour au moins éviter d'aller dans les poubelles de l'histoire, même j'en avec prédécesseur. Et m'a fini pour me dire, il y a des gens qui ont cité, il y a des ministres, il y a des ceci, il y a des chefs. Parle trop fort, pas fêter trop bonnet, pas crier victoire, parce que donner ou pas changer à n'importe moment. Même sous tendez ou dou, la reconnu dou, mais qui est-ce qui a chef cabinet le gagné? Oui. Mais qui est-ce qui a secrétaire général li? Mais qui est-ce qui a disgap date? Après le démenti chef là. Mais pas étonné aussi donner ou changer. Parce que bon nègre la guerrier du seul qui dépassé jusqu'à vendredi dernier, c'est lui-même qui chef cabinet, docteur Bonnet. Mon docteur ici. Ou par contre, combien de gens qui ont joué à Ticoutoisi? Combien de gens qui ont fait Tigé Savel? Pour le chef cabinet, mais tout confortable. Vous comprenez? Voilà que non, non, vous dites, monsieur, qu'on est cité devant le conseiller, il va citer non, monsieur.